On va noter les joueurs, plutôt sans doute de l'Olympique de Marseille. On va voir les notes de l'équipe du soir. Bruno, pouvez-vous noter, voter plutôt, noter, c'est mieux. Sanchez, Alexis, un 3 pour moi, il a été invité. C'est un 3 généreux. Je suis d'accord. Un peu en difficulté. Hein. 3. Joanne, vous qui êtes une pipelette ce soir. Oh, heureusement que ta fille est latte. Non, mais c'est en plus, j'adore ce joueur. Il est, normalement, je trouve qu'il amène justement, on parlait d'énergie avec Gendouzi, je trouve qu'il amène cette énergie offensive qui déclenche souvent des actions. Il libère beaucoup d'espace. Ça combine plutôt bien avec Harit. Et ce soir, c'est vrai qu'on l'a pas du tout vu, même dans le travail. Sans ballon, c'est une de ses qualités aussi d'aller harceler les défenseurs, je ne l'ai pas vu. Il s'est fait manger par les deux. Offensivement, il n'a rien à mener, donc ça a été une soirée difficile pour lui. Olivier Rouillet est en plein rangement de ses notes, mais est-ce que vous avez un regard sur la prestation d'Alexis? C'est vrai qu'il y a 19-8-7. Il y a ce qu'a dit Johan Micou. Tu sais bien qu'il déteste, après il lui fait la gueule. Bonjour, pardon. J'ai écouté ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Eh ben c'est parfait. Est-ce que j'ai rajouté de plus? Il n'y a rien à dire. Un regard, une analyse, un sentiment. Non, mais on peut s'interroger. Le sentiment, c'est qu'il était absent ce soir. On peut s'interroger quand même sur son poste. Et ils ont recruté Sanchez pour occuper le poste d'attaquant axial. C'est pas sa spécialité. C'est pas un garçon qui met 40 buts par saison. C'est pas donc en Ligue 1. Il y en a pas beaucoup qui mettent 40 buts par saison. Non, mais bon. Mais bon, autour de blessure de Milik. Mais en Ligue 1, ok. Mais tu peux t'interroger. Quand il était au meilleur de sa forme, il occupait pas forcément ce poste-là. Ailier, oui. Ah, et oui. Donc c'est quand même un problème. Absolument. Non, je vois. Mais je partage votre avis, Sébastien, comme souvent d'ailleurs. Qui notre tour à présent? Non, Verratou. Son tour viendra sans doute. Verratou, Morgane. Bon, Morgane, Balerdi, un 2. Pas du tout au niveau que des mauvais choix, une vision du jeu du néant. L'OM devrait investir dans un vrai défenseur central. Bah, si vous avez de l'argent, Morgane, vous pouvez envoyer votre RIB à Franck McCall. Il n'est pas loin d'offrir une magnifique passe décisive à un joueur allemand. Oui. Pas loin. C'est vrai. Une inspiration géniale. Mais sur le match, je trouve qu'il a été passif et subi comme tout le monde, défensivement, loin de tout. Un train de retard. Alors qu'il était un peu mieux, je trouvais. Oui, quelques temps. Franchement, je le trouvais un peu mieux. Mais là. Quatrième défaite dessus. Il met le but contre son camp, enfin, il n'y a pas de chance. Ouais. On te lance. Mais oui, c'est vrai. C'était en tout cas. Je trouvais que ça allait mieux. Olivier, un complément d'information? Non plus. Toujours pas. Non, mais. Combien il est payé, lui? Combien il est payé? Attends, oui, je suis d'accord avec l'autre. Plus que toi. Quand les mecs sont absents, tu peux rien ajouter. Qu'est-ce que tu allais dire de plus que ce que tu viens de dire? Qu'il a été mauvais, tout le monde le sait. Il y a 22-50, on se dit, bon, ben. Bah, il était absent, les mecs. Absent. J'y peux rien. Que veux-tu? À qui la faute? Bah, tout le monde est absent. Que veux-tu dire? Bah, c'est la faute. C'est inadmissible. Qui note-t-on? Un verre et tout. Un, au fou, là, c'est peu cher. Non, mais bon. Monsieur, il faut être un peu raisonnable non plus. Non. Mais c'est un garçon qui n'aurait pas dû être noté. Mais je dirais 3. Parce qu'il aurait dû être expulsé à la 40e. Il donc je ne vais pas le noter, moi. Sur son jaune. Attends, voilà. Non, mais si, ce serait bien quand même. 3, absent. Non, mais alors lui, j'aurais été un peu plus généreux, mais alors je suis totalement d'accord avec Guillaume. Capable c'est que de toute façon, quand il fait ce tacle. Si. Non, mais quand il fait ce tacle de. C'est terrible. Il aurait dû être exclu de cette rencontre parce que c'est un geste d'anti-jeu et de il maîtrise violent. Absolument rien et il aurait pu blesser son adversaire. Franchement, le pied, il est à ça du sol, en avant. Je ne comprends pas comment l'arbitre et que la VAR ne l'appelle pas. Oui, c'est parce qu'il n'a pas touché le gars. Il ne l'a pas touché violemment, du coup. Mais quoi, t'as raison. Comme quoi, d'habitude, bien sûr, s'il avait dit à l'arbitre, vous êtes mauvais, eh bien, elle aurait pris son rouge. Mais là, quand il y a une agression. À qui, à qui? Attention, à monsieur l'arbitre qui devait être espagnol. Tu voulais mettre le rouge aussi à Colomouani sur. Non, sur le avec Paul Lopez. Complètement. Je mets rouge. On va noter Colomouani juste après. Si on t'écoute, on finit à 9 contre 9. Tant pis. Tu pourrais arbitrer en Ligue 1. Tu sais, peut-être. Pascal Garibian. Mais moi, je préserve la santé des mecs. Et quand tu je préserve la santé des mecs. Donc alors, on va prendre. Philippe, excuse-moi. Donc on va faire le ratio. Tu as joué le nombre de rouges. 70 ou la santé des mecs, on s'en foutait. Ça attaquait dans tous les sens. Oui, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Tu dis ça, t'as tout dit. Il y a eu 4 ou 5 cartons rouges. Je sais plus. On est peut-être à 6 maintenant sur l'ensemble des journées de première ligue depuis. L'intégrité physique des joueurs. 8, je crois, de mémoire. 8. Bon, il y en a eu 40 en France. Est-ce qu'il y a eu
4 ou 5 fois plus de blessures graves dans le championnat de France que dans le championnat d'Angleterre. C'est pas une raison, Philippe. Mais non, mais c'est je veux dire, c'est ce que tu dis. C'est inadmissible ce que tu dis. Non, mais attendez. C'est inadmissible. Mais attendez, les gars. Vous, votre plaisir, c'est de voir le mec sortir de la. Mais. Du terrain avec la jambe qui est là-bas derrière, mais vous comprenez, mais je suis désolé, mais ça, moi je peux pas entendre le sang, moi je peux pas entendre des discours comme ça. Ouais. Quand Colomwani pardon, met son genou pratiquement à la hauteur du thorax du gardien, mais il arrive super vite et le gardien il peut l'éviter, mais je te dis pas qu'il n'y a pas faute. Je dis simplement. C'est honteux. Tu mets pas un rouge. C'est honteux. Donc je te dis, toi, t'attends que le mec qui repart la tête comme ça sur l'ambulance allons-y. Moi, je peux pas. Ouais. Je suis désolé. Je ne peux pas. C'est vous qui êtes honteux de faire tenir des propos qu'il a absolument pas tenus. Si. Bah non, on n'est pas pour la violence et pour que les gens sortent que se fassent des fractures de la manéole. Mais si. Son image, elle est là. Est-ce que vous êtes pour les fractures de la manéole? Fracture ouverte. Volontaire. Non. On va noter Colomwani qui aurait pu faire l'objet de débat parce que. Lui aussi avait peut-être une place à jouer, notamment sur l'équipe de France, que chaque match est important. Ah oui. C'est un match avec des champions. Et il a brillé ce soir. On aurait pu se le poser, on va le noter. Il a Colomwani, je lui donnerai 5, Cyril. Moi, je suis sur lui, il a pas fait grand-chose. Je suis d'accord avec les tweets. Oh non, mais là, c'est pas possible, 3-4. Non, mais là, vous. Non, mais moi, je ne l'ai pas trouvé très, très bon. Mais il met quand même le but de la victoire. Mais c'est tout. Bah, ça compte. Mais match moyen, quand même. Non, mais ça compte un peu. C'est le but de la victoire. Et puis je trouve que l'action est quand même bien. Non, mais j'ai les notes, c'est Guendouzi, ça compte pas quand c'est Colomwani. Olivier, non, mais Guendouzi, je vais lui mettre 5 aussi. Pourquoi ? Il pense que c'est sur 5, les notes. Alors regardez. Il n'a pas été bon, mais il marque un but décisif. Mais moi, je me justifie. Je pense qu'en deuxième période, il y a quatre ballons de contre pour Francfort. Les quatre ballons, il les met dans les tribunes. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est honteux. Alors que toi, non, il y en a une, Olivier. Quand tu la remets en touche, tu la mets. Non, sa deuxième période, elle est catastrophique. Ah oui, catastrophique. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais son but, il est quand même. Non, mais je suis d'accord. L'inspiration à la fois. Bon, je mets à la fois le fait le but, de sentir Götze et derrière de suivre correctement et de la mettre bien au ras de terre et tout, franchement. Non, c'est non, mais la vérité, c'est qu'on l'avait oublié. On a la mémoire d'un poisson rouge. Je suis d'accord. On a oublié quoi? C'est lui qui a mis le but de la victoire. Tu ne pensais pas que c'était lui qui avait marqué? Si, si. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, j'étais tellement énervé de sa deuxième période que j'ai trouvé. En plus, que tu as bien vu la seconde période, c'est vrai. Oui, non, mais là, Guillaume, on n'en sait rien, j'ai pas vu le match avec vous, bravo, pas vos blagues, bravo, les gens chez eux qui sont Guillaume. Partout en France, qu'est-ce qu'ils en savent? Bravo. C'est prise en plus rouge. Non, mais non, là, Sébastien. C'est la VAR qui arbitre, en fait. Bien sûr, c'était la VAR qui arbitre. Il n'avait pas mis de rouge, mais non. Mais pourquoi? Non, mais Sébastien qui jette de l'eau, non, mais là, c'est la foire, là, votre truc, là. Non, ça va pas du tout. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ben non, vous balancez de l'eau sur le plateau. Joanne Micou, vous avez une analyse à apporter sur Colomwani? Bah, pas plus que ça, moi. Il était absent, comme dirait Olivier. Oui. Non, ma première, ça allait à peu près. En deuxième, je suis d'accord avec Olivier. Sur deux, trois coups, il joue très mal. Il joue très mal le coup. Mais. Non, mais il met ce but quand même. Oui, il y a 2-1. Alors, on va me dire, ouais, mais il y en a d'autres qui marquent. Oui, mais lui, il met le but de la victoire. Quoi, ce qui permet à Francfort d'espérer pour le dernier match. Donc, ça a un poids quand même dans la note. Mais je lui ai mis 5, hein, je n'ai pas mis 8 non plus. Bien sûr. Ouais.